Bonjour, bonjour. Hello tout le monde, je vois qu'il y a déjà, vous êtes arrivés, c'est chouette. Bonjour Claudine, Christine, coucou Sabrina, bonjour Suzanne, hello Sophie, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live créatif. J'espère que vous êtes bien installés et que vous allez profiter de cette petite heure que nous allons passer ensemble. Bonjour Cindy, bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un projet, vous allez voir, très simple. Il y a un avion. Désolée. Hello Monique, j'espère que tu vas bien. Donc je disais un projet très très simple. Oui, des grenouilles aussi, Sophie. Un avion, des oiseaux, des grenouilles, voilà, la totale. Vive la campagne. Bonjour Marie-France. Un projet tout simple, je disais, qui va vous permettre en fait d'écumer eh bien, vos chutes de papier. Que ce soit du papier uni ou des papiers à motifs, vous allez voir, vous allez pouvoir vous éclater et faire des créations tout aussi différentes les unes que les autres. Donc ça, c'est super chouette. Bonjour Mireille, bienvenue. Pour celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui pour la première fois, bienvenue à vous, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je vous propose chaque lundi eh bien, des lives créatifs, exclusivement réservés et réalisés, surtout avec bien sûr les produits Stampin' Up, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon vous pourrez faire tous les projets avec ce que vous avez chez vous. Bonjour André, bonjour Viviane. Si vous avez cependant envie de réaliser les projets à l'identique, eh bien je vous invite à la fin du live, quelques minutes après bien sûr, eh bien à vous rendre sur mon blog harmoniescrap.fr, tout attaché. Et là, vous trouverez un article qui reprendra eh bien, le replay de cette vidéo que nous sommes en train de faire ensemble, la fiche technique complète du produit pour que pour que vous puissiez eh bien, reprendre les mesures, etc., sans avoir à tout noter pendant le live. Et puis, la liste de tous les articles que j'aurai utilisés pour les deux versions. Donc, la première que je vous ai présentée pour vous proposer le projet d'aujourd'hui. Et puis, celle qu'on va réaliser ensemble cet après-midi. Vous retrouverez tout ça sur mon blog. Et également sur mon blog, vous avez aussi plein d'inspirations, des tutos, plein de choses. Donc, je vous invite à aller y faire un petit tour. Coucou Sandrine, bienvenue. Une petite chose, vous le savez, hein, le catalogue annuel est lancé, ça y est, depuis le 2 mai, il regorge de petits trésors créatifs. Vraiment, vous allez pouvoir vous éclater à faire plein de projets avec tout ce qu'il contient, c'est certain. J'ai des petits coups de cœur, j'imagine que vous aussi. Si bien sûr vous n'avez pas le catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, je me ferai une joie de vous en envoyer un. Pour cela, vous avez un lien disponible en haut de la publication de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube. Sinon, un petit message privé et puis je vous l'envoie. Coucou Marotine, coucou ma petite Muriel, j'espère que vous allez bien. Et puis, bah, pour fêter cette sortie de catalogue, je vous ai prévu une petite surprise. Je vous propose, pour toute commande minimum de 80 euros passée sur ma boutique en ligne, hors frais de port, entre le 2 et le 30 mai, eh bien, vous serez d'office éligible au tirage au sort pour tenter de gagner la collection complète auberge de campagne. Elle est incroyablement belle, cette collection, donc n'hésitez pas. Rendez-vous sur ma boutique en ligne et si votre commande atteint 80 euros minimum, eh bien voilà, vous aurez la chance de participer à ce tirage au sort. Oh Marotine, ça me fait plaisir. Est-ce que tu vas scraper en même temps, dis-moi. La collection est incroyable, Sophie. Oui, vraiment, je suis tout à fait d'accord. Ces tons bleus, là, béguin bleu, bleu bohème, mystérieuse brume et bleu nuit, toutes ces couleurs coordonnées sont vraiment incroyables. D'ailleurs, j'ai préparé un projet pour mes clientes pour samedi avec justement cette collection incroyable. Et voilà, si vous voulez, du coup, si vous êtes une nouvelle cliente en validant cette commande pour participer au tirage au sort, eh bien, vous pourrez aussi entrer dans ce groupe privé des VIP d'Harmony Scrap et assister donc au Zoom exclusif de samedi matin. Voilà, voilà. Coucou Elsa, comment vas-tu? Coucou Laurence. Oui Monique, je suis d'accord, elle est incroyable la collection. Mais il n'y a pas qu'elle, il y en a aussi plein d'autres.
Alors, je vous propose qu'on démarre tout de suite cette petite carte très simple à faire. Coucou Christelle, bienvenue. Et vous allez voir, c'est très très facile et tellement, tellement de possibilités. En fait, tout simplement en jouant avec les formes. Et vous allez voir ça tout de suite. Alors, ça, c'est la première version que je vous propose, je vous ai proposée. Donc, une carte toute simple sur le thème de la fête des mères, mais on peut tout à fait envisager autre chose, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai joué avec un combo de couleurs Mystérieuse Brume, Bain à Bulles, qui est une toute nouvelle couleur, et Horizon de Bruyère. Vraiment, c'est trop joli. J'ai rajouté une découpe par-dessus et puis découpé ici le motif. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est coupé à l'intérieur. Oh oui, ma petite Muriel, je suis toujours avec les grenouilles. Elles sont toujours là. Oui, ils sont nombreux. Oui, non, mais ils sont nombreux. Ils sont très, très nombreux. Alors, je zoome. Voilà. Voilà, vous apercevez un petit peu mieux. Donc, vraiment, c'est très simple. Pas beaucoup de matériel nécessaire et surtout la possibilité d'écumer nos chutes de papier. Aujourd'hui, je travaille encore une fois avec de l'uni, mais avec un nouveau combo de couleurs, vous allez voir. Avec une autre forme également, mais du coup, c'est aussi pour vous montrer qu'il y a plein de possibilités selon les formes que l'on va utiliser. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que vous pouvez utiliser tout simplement des papiers à motifs, hein. Vous n'êtes pas cantonné au papier uni. Hey, coucou Cécilia, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, c'est cool que tu sois là aussi. Ah, je sais pas, il y a Google qui se met en route, voilà. Et du coup, à l'intérieur, un petit message tout doux avec le matage en bain à bulles. C'est vraiment, vraiment, je trouve que c'est hyper doux et voilà. C'est une carte toute simple mais qui peut faire du bien. Coucou Nadine, oui, les grenouilles sont en pleine forme. En effet. Alors voilà, donc pour la deuxième version, eh bien, je vais travailler même principe, mais pour la fête des pères. Alors, pour cela, je vais utiliser le lot, enfin qui n'est plus un lot d'ailleurs, le set de tampons Bécane Légendaire, accompagné de ses poinçons. Ils étaient donc au mini-catalogue précédent. Donc, je vais travailler avec ces tampons-là. Et pour ce qui est du combo de couleurs, je vous montre ça tout de suite. Alors, bougez pas, je les attrape. J'ai préparé mes petites bandes de papier. Alors, première info importante, pour vos bandes de papier, il n'y a pas de mesure précise. Simplement, ne pas descendre en dessous de 0,5, me semble-t-il. Sinon, ça risque d'être un peu trop petit. J'ai des grenouilles juste à côté de chez moi, elles chantent toute la journée. Je connais bien Claudine. Donc, entre 0,5 de largeur et 1,5. Au-delà, ça serait, je pense, un petit peu moins joli, quoique ça vaut le coup de tester. Tout dépend après, eh bien, par exemple, du motif, du contour que vous allez choisir. Bonjour Karine, bienvenue. Alors, pour ce qui est de mon combo de couleurs du jour, j'ai gardé le Mystérieuse Brume, j'ai pris le Bleu Bohème, le Pavé de Galets, ça ce sont deux nouvelles incolores. Bonjour Doom de Normandie, bienvenue. Et une petite bande de blanc, histoire de trancher un petit peu avec ce combo. Et donc, je ne vais pas partir sur un rond, mais sur... Hop, je l'attrape tout de suite. Un carré. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans la liste du matériel que je vous avais proposé de préparer. J'avais fortement insisté quant à l'utilisation des poinçons surpiqués comme cela, d'accord? Mais uniquement avec l'utilisation du papier fenêtré Stampin' Up. Le papier fenêtré Stampin' Up est génial, sauf que avec les poinçons surpiqués, il n'arrive pas à, il n'est pas coupé suffisamment. Donc entre l'épaisseur du papier cartonné plus le papier fenêtré, quand c'est des poinçons surpiqués, ça ne coupe pas. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait d'utiliser un poinçon lisse, vous voyez, hein, j'ai pas de surpiquage sur le contour, quand on utilise du papier fenêtré Stampin' Up.
Si on n'en a pas, eh bien, vous pouvez sans problème utiliser, par exemple, un morceau de petit sachet plastique. C'est ce que j'ai pris là aujourd'hui. C'est beaucoup plus fin. Et du coup, ça va me permettre d'utiliser mes poinçons surpiqués. D'accord ? C'est vraiment quelque chose d'important qui est quand même... Ça vous évitera d'avoir envie de passer le truc 15 fois dans la machine. J'ai testé, hein. Donc je parle en connaissance de cause. Ça ne fonctionne pas, même en rajoutant un petit bout de carton ou du papier, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Alors, donc, ici, j'ai un morceau de papier transparent qui mesure à peu près 9 par 9. D'accord ? Et donc, les morceaux de papier qui mesurent entre 0,5 et 1,5 cm de large et 10 de long. Ok ? Pour ce qui est de la base de carte, c'est toujours les mêmes mesures. C'est vraiment la base, la base basique. C'est super bien. Un morceau de papier uni qui mesure 21 par 14,85, tout simplement. Avec un pli à 10,5. Vraiment, une base toute simple, on ne se complique pas la vie. Le but, c'est de faire une création simple et rapide pour pouvoir, quand on gagne du temps, épasser nos poinçons. Alors, donc voilà pour cette base de carte. Ensuite, pour ici l'avant de la carte, je suis partie sur un morceau de papier blanc. Tout simple, qui mesure comme nos matages habituels, c'est-à-dire 14,3 par 10 cm. Tout bêtement. Martine, le vélin peut-être pas assez transparent. Si, le vélin, ça peut passer. Après, ça dépend de l'écart que vous allez utiliser entre les bandes. Mais ça vaut le coup de tester. Ok, ensuite, pour le matage de l'intérieur. Donc ici, j'ai pris le bain à bulles. Eh bien, c'est la même mesure que le papier à l'avant, comme d'habitude. 14,3 par 10 cm. Pas d'inquiétude quant aux mesures. J'ai pas préparé les post-it aujourd'hui exceptionnellement, mais voilà, ce sont les mesures qu'on utilise la plupart du temps et vous les retrouverez sur mon blog harmoniescrap.fr avec la fiche technique. Je suis obligée d'élever la voix, c'est quand même incroyable. Et donc mon papier bleu bohème, ça sera pour mon matage ici à l'intérieur, vous voyez, pour rester dans les mêmes tons. Et la partie blanche pour évidemment écrire notre message. Merci Martine, c'est gentil. 13,8 par 9,5. Coucou Brigitte, oui, il y a des grenouilles chez moi. Oui, c'est le printemps, il y a des grenouilles, voilà. Ok, alors je mets ça de côté et je vais commencer, on va commencer par les petites bandes, d'accord? Et vous allez voir, je vais faire une petite modification ici, on va mettre quelque chose de supplémentaire. Un peu de silence les grenouilles, oui, bah ouais. Donc je vais prendre mon sachet, mon petit papier transparent. Là, je vais utiliser mon tapis en silicone, ça sera plus facile. Pour coller vos bandes de papier, je vous invite à utiliser plutôt du double face, d'accord ? Ou le Stampin' Seal ici. C'est le chant de l'amour, oui, tu m'étonnes. Je les aime, hein, mais à petite dose. Tout simplement parce que comme c'est plastifié, la colle risque de balver, de couler, et ça prend un peu plus de temps à coller, c'est un peu galère. Donc, double face ou Stampin' Seal, c'est très bien pour coller nos bandes de papier sur le plastique. Eh bien, tout simplement, il suffit de venir coller nos bandes de papier sur le morceau de plastique ici. Alors, je vais commencer. Vous mettez dans le sens que vous voulez, c'est-à-dire vous commencez par le haut ou le bas, peu importe. Vous pouvez déjà les positionner avant de les coller pour avoir un aperçu de ce que vous allez mettre, d'accord ? Pour voir dans quel sens, l'alternative des couleurs, voilà, tout simplement.
Est-ce que j'ai assez de bandes de papier? Vous pariez que je vais pas en avoir assez? Toc, je vais mettre un blanc ici. Voilà, je vais remettre mon bleu si normalement c'est bon. Hop. Donc là, c'est juste pour présenter mon futur, ma future découpe. Là, c'est pas droit, hein, on est d'accord. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est super simple. Hein. Mais ce qui est sympa, c'est que du coup, on a plein de possibilités. Je vous disais, selon les poinçons qu'on va utiliser, on peut faire des cartes toutes différentes. Ça peut être très sympa. Voilà. Donc, le principe, coller les petites bandes les unes à la suite des autres en s'amusant à alterner les couleurs. J'ai pris un combo de 3 couleurs, enfin 4 avec le blanc. Mais voilà, vous pouvez choisir de mettre autant de couleurs différentes que vous le souhaitez. À peu près 9 par 9 le papier fenêtré, Marie-France. À minuit, elle chante et quand tu veux dormir, pas facile. Oh, Claudine, comme je vous comprends. Ok, donc là, on vient coller. Et je vais aussi sortir mon poinçon. Et du coup, je vais prendre le plus grand. Ok, donc ça, c'est le set de poinçons forme à la mode. J'adore ce set-là. Il est vraiment très sympa parce que du coup, on a les carrés, les ronds et puis de quoi faire des étiquettes. Et une fois que tout sera collé, oups, je vais venir passer l'ensemble dans la machine. Déjà, on a un aperçu, vous voyez. Ça va être très différent de la première version, mais ça va être très sympa. Alors, on va venir coller toutes ces petites bandes. Ici, j'ai pris le Stampin' Seal Plus, parce que celui-là, il est encore plus costaud. Du coup, je suis sûre qu'il va bien tenir. Donc sur mon plastique. Alors, il faut que j'arrive à viser. Je vais essayer de ne pas trop mettre ma tête. Hop. Je vais l'aligner tout à fait en haut et faire en sorte que mes petites bandes dépassent de la gauche et de la droite. Comme ça, je suis sûre qu'au moins tout mon sachet plastique, tout mon papier transparent est bien pris par mes petites bandes de papier. Coucou Rachel, tu vas bien ? Et du coup, on continue. On alterne nos couleurs. Voilà. Donc là, si vous avez la même chose que moi, eh bien, il suffit de rabattre vers l'intérieur le scotch. Voilà. Donc, nickel. Voilà. Et du coup, donc, je viens coller juste en dessous. En laissant eh bien, l'espace que vous souhaitez. Hein. Pas de règles, vraiment, vous vous sentez à l'aise. Voilà, un petit jour. Et encore, le petit jour n'est pas nécessaire. Moi, j'ai dû faire là 1 mm à peine. À peine. Hop. Ça serait bien si je collais droit, n'est-ce pas ? Toc. Donc là, je suis sûre que vous commencez à imaginer toutes les possibilités qui s'offrent à vous avec ce genre de création. Fini les petites chutes de papier, soit unies, soit à motif qui traînent. Là, vous allez pouvoir ne plus avoir d'excuses pour les laisser traîner dans le coin. Tuto de récup papier, parfaite, j'adore. Merci Marie-Vonne, comment ça va? Mais oui, on a toutes des kilos et des kilos de chutes de papier qui traînent. C'est obligé, que ce soit de l'uni ou des papiers à motifs. Et là, entre 0,5 et 1,5 de large, franchement, c'est obligé de réussir à faire plein de choses. Voilà. Nickel. Un petit peu de blanc pour trancher tout ça. Je trouve que ça fait sympa. On vient coller tout ça. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire en même temps que moi aujourd'hui? Oh, je suis désolée, il y a ma tête. Voilà. Marie-France, je crois que oui, du coup.
puisqu'elle m'a demandé la mesure du papier fenêtré. Voilà. Hop. Et la petite dernière du pavé de galet. Voilà. Super. Alors, il faut que les bandes soient collées entièrement et si on met du double face sur les quatre côtés. Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, Martine, si vous voulez. Muriel, tu regardes juste. Je vais parfaitement bien. Il pleut en Bretagne, mais c'est bon pour les belles plantes comme moi. Quelle bonne idée, Marie-Vonne. Je valide à 100%. Moi, je regarde. Tu fais tellement bien, j'admire. Oh, Nathalie. C'est mignon. Disons, Martine, que si on colle toute la bande, on est sûr que tout tient vraiment bien quand même. Hein. Ok, du coup, ça y est, vous voyez, j'ai toutes mes petites bandes qui sont collées. Là, au moins, on est sûr que ça tient vraiment bien. Alors, eh ben, tout simplement, maintenant, je prends ma machine et je vais venir la passer cet ensemble dedans pour pouvoir couper avec mes pinceaux. Alors, non pas cette fois, mais j'aime beaucoup ce style de projet qui laisse place à la créativité, à de multiples adaptations. Exactement, André, on est parfaitement d'accord et ça, c'est ce qu'on aime aussi dans le scrap. Oui, voilà, c'est la question que je me posais. Oui, vaut mieux tout faire tenir, Martine, par sécurité. Alors, je vais tourner dans l'autre sens, tiens, mais après on s'en fiche, hein, c'est un carré. Alors, petit conseil, assurez-vous d'avoir suffisamment de marge entre l'intérieur ici et là par rapport à votre bande de papier, d'accord ? C'est-à-dire que n'allez pas mettre le poinçon sur une séparation, d'accord ? Assurez-vous qu'il y ait vraiment du papier des deux côtés. Je positionne ça, voilà, et nickel, on n'a plus qu'à passer ça dans la machine, toc, et c'est parti. On y va tranquille, on sort ça tout doucement, hop, voilà, et du coup, voilà, vous voyez, on se retrouve avec nos découpes ici, on a le surpiquage parce que le transparent est plus fin, et on a un joli ensemble dans des tons complètement différents. Vous pouvez, sans problème, utiliser ce cadre après, évidemment en égalisant ces petits bouts-là, pour en faire une autre création. Imaginez, alors imaginez hein, que ce soit égalisé, bien sûr, parce que pour l'instant, ça fait un petit peu bizarre. Voilà. Et du coup, vous pouvez recouper un petit peu ici et tamponner un motif à l'intérieur, par exemple. Du coup, ça fait deux cartes en une. Là, pour l'instant, je me focalise aujourd'hui sur cette version-là. Alors, voilà. C'est chouette, hein ? Ça va être vraiment sympa. Regardez. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais prendre maintenant le morceau de papier blanc qui va servir à être à l'avant. D'accord ? Histoire de donner un petit peu plus de volume à l'ensemble de la carte, d'accord ? Mais vous allez voir après, dans quelques instants, qu'il y aura du volume aussi avec ça. Coucou Théo, comment vas-tu ? Je peux poser mon poinçon. Et ici, donc, j'avais laissé mon papier tout lisse avec mon message. Je vais tamponner un message, mais je vais donner encore plus une petite touche supplémentaire à ma carte faite des paires, tout simplement
après avoir tamponné, en passant mon papier dans le pioir de gaufrage, celui qui s'appelle plaque en métal. Et vous allez voir, ça va donner une toute autre dimension à la carte, c'est certain. Donc, je vais d'abord tamponner mon message, puisque vous le savez, toujours, toujours, on tamponne avant de passer dans un plioir de gaufrage comme celui-ci, et avant de coller sur la carte. Alors, je prends mon sentiment. Bonne fête, papa, avec mon encre bleu bohème, que j'adore. C'est devenu un de mes chouchous du moment. Donc, je viens tamponner mon message ici. Je vous invite, juste comme ça, à positionner à l'avance, juste pour voir votre ensemble, pour vous donner une idée de où vous allez tamponner votre message. Bon, vous pouvez aussi choisir de mettre un message avec une étiquette, auquel cas, cette étape, vous la passez, évidemment. Je vais mettre ici mon « Bonne fête, papa ». Un petit peu incliné, parce que c'est pas obligé d'être toujours tout droit. Voilà. Ça va être super chouette. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir passer ce morceau de papier dans mon classeur de gaufrage, ici. Alors, il est là. Je le sors. Il va y avoir encore plein de bazar sur mon bureau. Pour celles et ceux qui ne savent pas, quand on a un plioir de gaufrage Stampin' Up ici, et sachant que j'ai tamponné ici, donc je veux que mon tamponnage apparaisse ici. Merci Marivonne, bel après-midi, à bientôt. Ça veut dire que je veux que ma partie gaufrée soit ici, d'accord? Le fait d'avoir le logo Stampin' Up ici vous indique justement comment positionner votre papier. Comme c'est cette partie-là que je veux voir gaufrée, eh bien, je vais mettre le Stampin' Up, le logo, au-dessus. Et vous pouvez vous servir de la petite ligne pour poser suffisamment droit votre papier. Donc là, je vais le mettre juste dans l'autre sens pour me guider par rapport à la ligne. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pu aligner mon papier à cette fameuse ligne. Mon sentiment est bien ici. Là où il y a le logo Stampin' Up. Donc je sais que ça va bien être cette face-ci qui va être gaufrée et un peu plus en volume. Et comme c'est un plioir 3D, hop, oups, je fais tout tomber. Je prends ma machine, je prends ma plaque numéro 1, je pose l'ensemble et je prends maintenant ma plaque numéro 4 simplement. Rien d'autre. Et là, je peux passer dans ma machine. Hop. Et du coup, regardez, c'est magique. Est-ce que vous voyez? On a bien le sentiment et on a bien donc la partie gaufrée sur le dessus et tout est bien aligné. Donc, ça va être super joli. C'est nickel. Alors, ensuite, je vous ai dit que j'allais travailler avec cet ensemble ici. Donc, les motos avec les poinçons. Et bien, en fait, donc j'ai pré-tamponné une petite moto dans la couleur pavé de galets. Coucou Christelle! Donc, évidemment, pour rappeler mon combo ici, je vais tout simplement lui aussi, enfin elle aussi, la passer dans la machine pour pouvoir la coller par-dessus. Et vous verrez, ça va faire un ensemble super sympa. Toc, donc là, je reprends mes plaques. Voilà, la 2, la 3, je pose tout ça. Je positionne correctement mon poinçon, vous pouvez utiliser du masking tape si vous voulez être sûr que ça ne bouge pas. Et c'est parti. Hop.
Et voilà, on a notre petite moto qui est parfaitement découpée. Alors, ça c'est prêt aussi. Celui-ci, le papier qu'on va venir coller sur la base de carte, il est prêt. Il nous reste donc à venir coller ceci ici. Alors, pour cela, pour donner un peu de volume, vous voyez ici, vous apercevez les bandes de mousse adhésive. Eh bien, tout simplement, ce sont ces fameuses bandes ici. Toc, que je vais prendre. Donc, les bandes adhésives en mousse que je vais venir coller à l'arrière au niveau du papier uni. Alors, je ne suis pas sûre d'en avoir assez. Il va falloir que j'attrape un autre paquet dans mon tiroir. En attendant, toc. Bon, en fait, je vais vous le dire, il y a Chouchou qui est à côté de moi, donc il va me les passer. Et je viens donc coller sur chacune de mes petites bandes, comme ça on aura vraiment cette sensation de 3D. Je perds tout aujourd'hui, c'est dramatique. Je les avais préparés mes ciseaux. Ah, ils sont là. Merci Chouchou. Toc. Voilà. Et je viens donc coller ces bandes de mousse à l'arrière, uniquement donc au niveau du papier pour être sûr que ça ne se voit pas. Quand vous avez des bandes de papier un peu plus larges, vous pouvez en mettre deux. Vous pouvez aussi prendre les dimensionnelles. Pas de problème. Mais l'avantage des bandes comme ça, c'est comme elles sont longues, on n'a pas besoin d'en mettre 25. Toc. Comme ça se présente par plaque comme ça, c'est super pratique pour ce genre de projet. On les utilise aussi beaucoup pour les cartes shaker. On vient coller ça sur tous les morceaux. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre sur toutes les bandes, mais par contre, trouver un équilibre, d'accord, qui en est au moins aux deux extrémités et quelques-unes au milieu, pour que ça ne s'affaisse pas quand vous allez coller sur le papier après. Cécilia te dit bonjour, et Marie-France aussi. Attention Chouchou si elle perd tout. Hop. Voilà, une petite dernière en bas, comme ça, ça va équilibrer le collage ici. Voilà. Donc là, je me rends compte que c'est un petit peu long. Je vais réduire ça. Voilà. Toc. Et du coup, je vais pouvoir venir coller cet ensemble. Ici, je vais les mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc, je vais retirer toutes les parties à l'arrière pour pouvoir venir le coller ici. Mais juste avant, je vais venir le coller sur ma base de carte. Tout simplement parce que si on n'utilise pas de la colle et ce sans pincil sur le papier, ça risque d'écraser. André te demande quand est-ce que tu feras un live. Non, il ne sait pas. Il a un peu peur. Mais pourtant, il scrape. Hein. Et il scrape bien en plus. J'insiste un peu puisque du coup, il y a les aspérités dues au pliage, au passage dans le classeur. Voilà. Donc, j'insiste un peu. Coucou, Fafa, tu vas bien, ma bichette? Et je viens coller tout ça. Vous pouvez aussi coller en 3D, hein, tant qu'on y est. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, vous voyez, c'est ton sur ton, blanc sur blanc, mais le fait de l'avoir passé dans le classeur de gaufrage, eh bien, du coup, ça ressort très, très bien. Et cette fois, maintenant, je peux retirer toutes les protections de mes bandes de mousse pour venir coller tout ça. Donc, je vous avais dit, hein, c'est vraiment très, très simple, avec
d'infinies possibilités de création. Et ça, c'est vraiment chouette. Après, si vous n'avez pas de poinçon pour découper l'ensemble, aucun problème, hein. Il suffit de, par exemple, de dessiner un cercle avec un compas, voilà, et puis de couper au ciseau, c'est tout à fait possible aussi, hein. Je dis un cercle, mais ça peut être un carré, un losange, un triangle, voilà. Là aussi, de multiples possibilités. Alors, je viens coller tout ça. Toc, toc, toc. Voilà, ça donne du volume, de la lumière. Et du coup, je vais venir coller ma petite moto avec des petits dimensionnels. Voilà. Oui. J'avais un doute sur où j'allais la mettre, mais non, c'est bon. Je vais venir simplement la coller ici sur le bas. C'est vraiment tout simple. Et du coup, pour un homme, pas besoin de chichi. Je trouve que l'avant est suffisant comme il est. Très simple. On peut rajouter un petit strass si on veut. Aucun problème. Mais déjà, rien que comme ça, je trouve que c'est vraiment très très chouette pour un homme. On va juste finir l'intérieur de la carte. Donc je vais prendre mon papier de matage en bleu bohème et mon papier blanc. Alors, attendez, j'enlève toutes ces cochonneries là. Voilà. Et je vais simplement à l'intérieur venir retamponner la petite moto pour égayer un peu le papier. Mais je vais tamponner cette fois en bleu bohème. Voilà. Ça, ça va parfaitement s'accorder avec le matage. Voilà. Et je vais venir la tamponner sur le bas ici. Voilà. Histoire juste d'habiller un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai tamponné et maintenant je vais pouvoir venir coller. Coucou Catherine! Vraiment top comme projet. Merci Cécilia, c'est gentil. Bonne idée pour ne pas gâcher les petits morceaux de papier, ça fait un très bon rendu. Merci Doom, c'est super gentil. Je suis contente que ça vous plaise. Voilà, comme ça, zéro perte. On n'a plus d'excuses pour utiliser toutes nos chutes. Voilà, hop, je viens coller tout ça. Huron, tais-toi. Tu sais que même si tu parles tout bas, on t'entend. C'est pas grave, t'inquiète pas. Hop, allez, sors de là. Merci. Et on va venir coller à l'intérieur, tout simplement. J'arrive à la fin. Ben c'est parfait. C'est la fin de la carte. Ça tombe très bien. Fin du rouleau, fin de carte. Donc, voilà. Et voilà. Ça fait un intérieur tout simple. C'est ça, Marie-France. Oui, on t'entend, chouchou. Et voilà, du coup, ça y est, on a fini notre version homme avec toutes nos petites chutes. Et du coup, vous voyez la différence déjà avec le passage dans le classeur de gaufrage. Très sympa. Ça change vraiment. On a le carré, on a le cercle. Mais du coup, vous pouvez vous éclater avec tous vos poinçons ou toutes vos envies de forme. Vraiment, éclatez-vous. Ne vous limitez pas, laissez parler votre imagination. Et du coup, vous avez vraiment la possibilité de faire plein, plein de choses. Très tendre pour un homme, j'adore. Merci beaucoup. Voilà, on a vraiment... Alors bon, ok, je suis partie un peu en cliché, bleu pour les hommes et rose pour les femmes. Mais bon, voilà, j'assume.
simple et rapide avec effet garanti, waouh, j'adore, à refaire très vite et avec une infinie de solutions. Merci Suzanne. Cécilia, elle aime les deux, c'est chouette. Merci Martine. C'est vraiment tout bête, hein, vous avez vu, du coup, vous allez pouvoir vraiment, vraiment vous éclater avec toutes vos chutes, vos combos de couleurs, vos papiers unis, mais aussi vos papiers à motifs. N'hésitez pas à tester avec les papiers à motifs, ça peut être aussi très, très sympa. D'autant qu'avec les collections Stampin' Up, on sait que toutes les couleurs sont coordonnées du moment qu'elles sont dans la même collection. Donc, aucun risque, aucune crainte à avoir sur le mélange des couleurs. Voilà, amusez-vous sur les différentes tailles de largeur de vos bandes de papier, entre 0,5 et 1,5. Éventuellement un peu plus grand, mais déjà, vous voyez, 1,5, ça fait déjà assez large. Donc je pense qu'au-delà, ça risque de faire un peu beaucoup. Sauf si votre carte est vraiment beaucoup plus grande. Donc là, vous pouvez vous permettre de faire beaucoup plus grand. Merci Christelle. Voilà, du coup, vous voyez, plein de possibilités. La seule limite, du coup, ça va être votre imagination. Donc écoutez-la, faites-vous plaisir. Et éclatez-vous avec toutes vos chutes. Oui, fait pour un anniversaire, bien sûr, tous les thèmes sont absolument libres. C'est vrai que pour les anniversaires, pour les hommes, on sait rarement quoi faire comme style de carte. Et bien, je trouve que là, pour le coup, ça fait un modèle tout à fait envisageable pour un anniversaire. Évidemment, pas que la fête des pères, évidemment. Vous voyez, hop, je vous remontre ici. Ce bleu bohème, il est juste incroyable. C'est la même couleur que la machine de découpe, la petite machine bleu bohème, que vous aussi, vous pouvez acquérir si vous le souhaitez maintenant. Stampin' Up vous a fait le plaisir de vous la mettre pour que vous puissiez la commander. Donc voilà, avec ce nouveau combo de couleurs. On pourrait aussi faire sur une page d'album. Oui, oui, bien sûr, Rachel, c'est bien ce que je dis. La seule limite, c'est votre imagination. Donc éclatez-vous, il y a plein de choses possibles. Sandrine, t'as justement une carte d'anniversaire à faire. Écoute, c'est parfait. Oui, les deux sont très jolies et donnent pour d'autres cartes. Exactement, Karine. Voilà. J'espère que ce live vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. J'ai très 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 envie de voir vos versions, donc n'hésitez pas à les partager avec le hashtag HarmonyScrap. Faites-vous plaisir avec toutes les formes, toutes les couleurs, éclatez-vous et surtout n'hésitez pas à me montrer, vraiment je serai très contente. On vous donne rendez-vous sur mon blog harmonyscrap.fr dans quelques minutes pour pouvoir retrouver la fiche technique, la liste des produits que j'ai utilisés et le replay de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me faire un petit coucou en replay si justement c'est le cas. Merci Marie-France. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Doom, ça me fait trop plaisir. La semaine prochaine pour un nouveau live créatif. J'espère que ça va vous plaire. Ça change un petit peu. J'en ai fait il y a un mois à peu près, mais vous verrez ça. Je vous ferai découvrir le projet dès jeudi matin pour le prochain live du 15 mai. J'en profite juste pour vous informer que à la fin du mois, je serai absente. Donc, si tout va bien, je vous partagerai un projet préenregistré pour le... Ça fait le 22 mai, d'accord? Mais par contre, le lundi d'après, il n'y aura pas de live, tout simplement parce que j'ai eu la grande chance d'obtenir le voyage incitatif l'année dernière. Donc, avec Chouchou, nous partons en Norvège, avec aussi d'autres de mes collègues. Je ne pourrai pas être partout, mais je penserai bien à vous et je vous partagerai des photos, bien sûr. Et j'en profite pour vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous, mes clientes, mes filleules, que j'ai pu avoir ce voyage. Merci du fond du cœur. Et en attendant, je vous dis, prenez bien soin de vous, éclatez-vous avec vos projets. D'accord, faites confiance à votre imagination, faites-vous plaisir et à très bientôt j'espère. Ciao, ciao tout le monde.